On a eu à lire un passage, plusieurs passages hier, notamment Daniel chapitre 11, verset 31, à partir du verset 31. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. N'est-ce pas? On s'arrête là. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec, n'est-ce pas, fermeté. Alors, je vais prendre la version de Martin, et vous savez que c'est la version qui est quand même la plus proche, hein, et c'est une des versions la plus proche, une des versions les plus proches des textes originaux. Voilà, donc là, Martin, donc nous sommes dans Daniel chapitre 11. Voilà, mes amis, au nom de Yeshua, je sais que vous aimez beaucoup, beaucoup la vérité. Voilà, Daniel chapitre 11. Et voilà, c'est là, Martin. Merci, Yeshua. Donc, qu'est-ce que Daniel dit ici? Daniel 11, 31. Merci Seigneur. Alors, et les forces seront de son côté, et on suivra le sanctuaire qui est la forteresse, et on ôtera le sacrifice continuel, et on y mettra l'abomination qui causera la désolation. Et il fera pécher par flatterie ceux qui se porteront méchamment dans l'alliance. Mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera et fera de grands exploits, n'est-ce pas? Le peuple qui connaîtra, n'est-ce pas, leur Dieu. Voilà. Donc là, c'est à peu près la même chose. Donc il est question ici de connaître Dieu. C'est la base de la vie chrétienne. Connaître Dieu. On n'est pas chrétien parce qu'on est affilié à une assemblée locale. On n'est pas chrétien parce qu'on est affilié à une dénomination, à une fédération d'église, à une fédération pastorale. On est chrétien parce qu'on a eu la révélation, parce qu'on a reçu la révélation de la personne de Dieu. Dieu, comme vous l'avez compris, n'est-ce pas, ne peut pas s'étudier dans une école théologique, n'est-ce pas? Dieu se révèle. Et une fois qu'on a reçu la révélation, on peut bien évidemment être formé d'abord par le Seigneur et ensuite par les frères et sœurs. Mais la base, c'est la révélation. Le Seigneur pose la question aux apôtres dans Matthieu 16, 18, 13 jusqu'au verset 19. Qui suis-je au dire des hommes? Chacun va répondre. Et Pierre reçoit la révélation du Père en disant, tu es le Machia, le Fils du Dieu vivant. Voyez? Et le Seigneur dira, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang, c'est-à-dire les écoles théologiques et rabbiniques, qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc, voyez, mes amis, que. Et Pierre a reçu la révélation sur la personne de Jésus-Christ. Et à partir de cette révélation, Yeshua dira, et moi je te dis que tu es Pétros, un petit caillou, et que sur ce roc, Pétra, un grand rocher, je bâtirai mon ecclésia. Vous voyez? Donc l'église même que nous sommes hein, a été bâtie à partir de la révélation que Pierre a reçue du Père sur la personne de son fils Yeshua. Voyez? Donc sans cette révélation, il n'y a pas d'église. C'est-à-dire, une fois que Pierre a reçu la révélation que cet homme qui était devant lui est Dieu lui-même, le Machia, parce que le Machia, c'est le Dieu lui-même. Le Machia, c'est le roi. Voyez? Et à partir de ça, de cette révélation, l'Église, le Seigneur va parler de l'Église. Donc, vous voyez que l'Église, et c'est quoi l'Église? L'Église est une assemblée d'hommes et de femmes qui ont reçu la révélation sur la personne de Dieu. Sur Dieu, je dirais, parce que Dieu est plus qu'une personne. Donc, vous voyez que l'église n'est pas un bâtiment, ça vous le savez. L'église n'est pas, je ne vais pas parler de l'église ce soir, mais je veux quand même introduire l'enseignement ce soir par là, par ça. L'église, mes amis, est composée d'hommes et de femmes de toutes les nationalités, de toutes les époques, vivants et morts en Christ, qui ont reçu de manière personnelle, particulière, la révélation de Dieu. Donc, si je vous parle de Yeshua comme étant le Dieu vivant, le Dieu suprême, ah ben, ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu ne peuvent pas comprendre ce message. Ils peuvent même se lever, se dresser et le combattre. Mais il ne faut pas rentrer dans un combat charnel contre eux, avec eux, parce qu'on ne peut pas croire en Dieu sans révélation.
Donc, il faut une révélation personnelle. Donc, ça ne sert à rien de vouloir, mes amis, vous qui aimez Jésus, à convaincre les gens de manière charnelle. C'est l'esprit qui convainc. Ce ne sont pas les hommes qui peuvent convaincre, frères et sœurs. Donc, celui qui n'a pas reçu la révélation à la base de la personne de Dieu, de Yeshua, notre Seigneur, ça ne sert à rien. Même si vous lui parlez matin, midi, soir, il ne va pas vous comprendre. Parce qu'il faut que le voile tombe. Vous savez, quand Christ est ressuscité, la Bible nous apprend que deux disciples allaient à Emmaüs. Et on nous dit que Christ va se joindre à eux, il va discuter avec eux. Et on apprend également que leurs yeux étaient empêchés pour ne pas qu'ils le reconnaissent. Donc, vous voyez, vous pouvez être pasteur, docteur, prophète, apôtre, envoyé, missionnaire, tout ce que vous voulez, et avoir les yeux complètement fermés, avoir les écailles sur les yeux. Donc, là, le Seigneur nous dit la parole, il leur ouvrit l'intelligence. Amen. Donc, pour connaître, pour croire en Jésus-Christ comme étant le Dieu suprême, il faut que ton intelligence soit ouverte. Vous voyez, le problème c'est là. C'est pour cela que Daniel, dans Daniel 9, 20, 22, si mon frère Freddy peut nous lire cela, Daniel 9, à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. Daniel 9, à partir du verset 20, la Bible dit ceci. Le micro, oui. Oui, voilà. Daniel 9, à partir du 20e verset. Je parlais encore, je priais, j'ai confessé mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Voilà. Donc tu vois ici, mon frère Freddy, Daniel était un bien-aimé. Hein? Il connaissait beaucoup de choses. Il était sage, il était intelligent. Mais quant aux choses divines, il a eu besoin que Gabriel intervienne. Amen. Gabriel est l'ange de la révélation. Voyez, et Daniel n'était pas dans une école théologique, non, n'est-ce pas? Il n'a pas fait des débats théologiques pour connaître Dieu. Non, on nous dit qu'un ange lui a été envoyé et il a dit, c'est comme si cet ange avait une clé, Gabriel. Il est venu avec une clé, la clé divine. Et il lui dit, je vais ouvrir ton intelligence. Donc, il faut que ton intelligence soit ouverte pour que tu aies la révélation sur la personne de Yeshua. Voyez, sinon tu vas créer la Trinité, tu vas croire à la Trinité comme Athanase l'a enseigné. Comme, bien avant lui, Tertullien nous l'a enseigné. Et sachez que Tertullien, qui est le père de la Trinité, de la doctrine de la Trinité, une doctrine mensongère, démoniaque, satanique, charnelle, humaine, tout ce que vous voulez. Et Tertullien, philosophe, mes amis, et apologiste, n'est-ce pas? Quelqu'un qui maîtrisait la rhétorique, et il était influencé par les idées du philosophe grec Platon, qui croyait déjà à son époque, Platon, en la trinité diabolique, hein, donc Osiris, Isis, et Horus, tout ça. Et Tertullien, qui était, ce philosophe d'origine berbère, d'origine, n'est-ce pas, carthaginoise, parce qu'il était de Carthage, en Tunisie, voyez. Donc, et il était influencé lui-même, Tertullien, par la triade, n'est-ce pas? Donc, carthaginoise, c'est-à-dire la divinité qui était adorée par les habitants de Carthage en Tunisie à l'époque. Et cette triade, cette trinité, n'est-ce pas, était composée de Baal. Hein? Donc, premièrement, Baal Amon, c'était la divinité principale à Carthage, Baal Amon. Et ensuite, il y avait une autre divinité du nom de Nit, c'était associé à Astarté, n'est-ce pas? Et puis ensuite, troisièmement, Eshtunum, qui est devenu en fait, qui était le dieu Esculape chez les Grecs, le dieu Esculape chez les Romains, pardon, le dieu de la médecine. Donc il y avait cette trinité-là qui était là, à Carthage, et Tertullien était certainement, forcément, influencé par cette, n'est-ce pas, ces trois divinités qui étaient adorées par, n'est-ce pas,
les Berbères. Donc, vous voyez, donc, on va peut-être tout à l'heure le développer. Et donc, vous voyez que quand il s'est converti, soi-disant, au christianisme, quand il s'est converti, eh bien, il a gardé quand même cette, n'est-ce pas, cette doctrine, cette influence. Il était influencé par, n'est-ce pas, cette doctrine complètement impie, démoniaque. Et c'est lui, justement, Tertullien, qui va développer la doctrine de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et il a créé trois personnes, n'est-ce pas, qui forment une seule personne, c'est-à-dire le Dieu suprême, selon lui. Donc, Dieu le Père est une personne à part entière, selon lui, qui serait indépendante, n'est-ce pas, en tant que personne, de son Fils, qui lui-même aussi, à son tour, est une personne totalement divine et indépendante du Père, et le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, selon Tertullien. Et ça a créé, mes amis, la confusion dans le christianisme jusqu'à nos jours. Et au jour d'aujourd'hui, toucher à la Trinité revient à, mes amis, quand on touche à la Trinité, ben on est taxé d'hérétiques, de sectes, de tout ce que vous voulez. Et pourtant, Paul, Pierre, Jacques et Jean n'ont jamais enseigné cela. Pierre, Paul, Jacques et Jean n'ont jamais dit que, n'ont jamais enseigné sur la Trinité. Et ils n'ont jamais dit que si quelqu'un dénonce la Trinité, doit être taxé de sectes, de gourous, de faux prophètes, de sorciers, de démons. Voyez, frères et sœurs, et c'est grave de voir à quel point une doctrine que les apôtres n'ont pas développée est devenue, n'est-ce pas, le socle même du christianisme actuel, au point où au 4e siècle, au concile de Nicée, en 325, Athanase a mis en place, n'est-ce pas, le symbole d'Athanase, qui disait que toute personne qui ne croyait pas en la Sainte Trinité ne pouvait pas être sauvée. Pourtant, les apôtres nous ont dit que seul le nom de Yeshua sauve. Amen. Le geôlier qui retenait Pierre comme Paul et Silas dans Actes 16, n'est-ce pas? Il pose la question aux apôtres, que dois-je faire, n'est-ce pas, pour avoir la vie? Paul lui dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Pourtant, Athanase, n'est-ce pas, au 4e siècle, a dit, il faut croire en la Sainte Trinité pour être sauvé. C'est le contraire de ce que les apôtres ont enseigné. Maintenant, vous qui nous suivez ce soir, ou plus tard sur, n'est-ce pas, Direct de Vie, Dailymotion, TV de Vie, tout ça, eh ben, si vous voulez, mes amis, plaire au Seigneur, eh ben, vous devez vous attacher plutôt, plus à sa parole, plutôt qu'aux traditions et coutumes de nos pères dans la foi. Voyez, le Seigneur disait dans Matthieu 15 aux pharisiens, vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition. Voyez, frères et sœurs, et c'est terrible comment l'évangile est dilué, comment l'évangile est de plus en plus combattu, la saine doctrine, la véritable parole qui doit être défendue, mes amis, avec force et détermination au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, Dieu est grand. Voilà, donc je disais que à Carthage, il y avait une trinité bien avant Christ, à Carthage, donc la ville de naissance de Tertullien, le père de la Trinité. Il y avait une triade, une trinité de divinités qui était adorée. La première divinité, et la principale, n'est-ce pas, de Carthage, c'était Baal-Hamon. Baal-Hamon, c'était le maître, selon eux, cosmique, n'est-ce pas, le dieu de la fertilité, de la fécondité. Et ensuite, il y avait le dieu Tani, qui était, bien sûr, une femme, une déesse, qui était associée, n'est-ce pas, à Astarté, à Vénus, vous voyez, à Ishtar, chez les Babyloniens, associée à la reine du ciel, n'est-ce pas, à la Marie, mère de Dieu, chez les catholiques, n'est-ce pas, à la Diane des Éphésiens, dans Actes 19. Ça, c'est le dieu Tani, n'est-ce pas, donc chez les Carthageois. Donc, et troisièmement, il y avait le dieu Eshnouch, ou Eshnoun, et c'était le dieu de la médecine, hein, de la guérison, soi-disant. Voilà la trinité qui était adorée à Carthage. Voyez, donc, on va prendre Marc, chapitre 12, verset 28. Hein, donc, le dieu
Eshmoun, voilà. Donc il y avait Baal, Amon et Dieu cosmique et associé à Saturne, hein, donc africain, principale divinité de Carthage, à qui l'on offrait des bébés. Et deuxièmement, il y avait Tani, donc était une déesse berbère chargée de veiller à la fertilité, aux naissances, à la croissance. Son culte était avait pris de l'ampleur, hein, à Carthage. Et cette divinité était assimilée, bien sûr, à Astarté chez les Phéniciens, à Ishtar chez les Babyloniens, à, chez les Phéniciens, c'était Ishtar, Babylonien, chez les Grecs, les Romains, pardon, Vénus. Et puis, il y avait Eshmoun. Eshmoun, c'est le dieu de la guérison. Voilà la trinité qui était adorée à Carthage. Nous sommes dans Marc, chapitre 12, verset 28, si on peut nous lire cela. Marc 12, 28. Un des scribes, le micro, hein. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda : quel est le premier de tous les commandements ? Jésus répondit : voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Voilà. Donc, ce scribe pose une question capitale, je dirais la question capitale au Seigneur, à savoir, quel était le plus grand de tous les commandements? Et pour ceux qui sont attachés à la dîme, vous voyez, il ne mentionne même pas la dîme, ici, le Seigneur. C'est terrible, hein, mon frère. Il ne mentionne ni la dîme, ni l'observation de sabbat ou de dimanche. Hein? Ni l'habit de dimanche, costume et cravate. Ni la construction des bâtiments. Tout ça, ni l'offrande du prophète, ni l'offrande de grâce. Tout ça, là, ce n'est pas dans la loi que Christ a révélée. Deux choses. On lui pose la question. Le scribe ici, c'était un homme de la parole, hein, un homme de parole, un homme de lettres. D'accord ? Donc, il était attaché à la parole, ce scribe. Et il pose la question au Seigneur. Il connaissait la réponse. Quel est le plus grand de tous les commandements ? D'accord ? Oh mon Dieu, que nos bishops écoutent bien ce soir. Hein? Ils n'apprennent pas aux chrétiens à aimer Dieu. C'est pour cela qu'ils vont en enfer. Jésus a donné seulement deux lois. Deux lois fondamentales. Et dans nos églises, on nous parle de plus de les 21 lois pour être prospère. Hein? Les 7 clés pour aller au ciel. Ce sont des voleurs. 7 clés pour avoir du succès. Le maître en a donné seulement 2. Amen. Je vais marteler là-dessus. Parce que voilà, on va tout casser, on va tout raser. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Tu vois ça un peu, mon frère Frédéric. Jésus nous a simplifié la vie. Amen. Nos bishops viennent mettre des jougs sur nous. Oh, alléluia. Vous vous rendez compte, frère? Je veux relire encore ce passage. Amen. Hein? Je veux relire encore ce passage. Alléluia. Je veux lire ça dans la version de Martin. Oh, j'aime la parole, j'aime la parole, j'aime la parole. Je suis convaincu que la parole vous fait du bien ce soir encore. Amen. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Qu'est-ce que Jésus est bon, mes amis, là. Oh, magnifique le Seigneur. Hein? Il est venu pour nous alléger. Il a dit, prenez mon joug sur vous. Hein? Mon joug est doux. Mon fardeau est léger. Amen. Mais le fardeau des pasteurs aujourd'hui est tellement lourd. Hein? Le joug, tellement écrasant. C'est terrible. Et quelqu'un des scribes qui les avait, lui, discuté, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha de lui et lui demanda : quel est le premier de tous les commandements ? Et Jésus lui répondit : le premier de tous les commandements est Shema Israël. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Hein? Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force.
C'est là le premier commandement. Et le second, qui lui est semblable, qui est semblable au premier, est celui-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et qu'est-ce qu'il rajoute ? Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Chrétien, écoutez-moi ce soir. Écoutez la parole de Dieu ce soir. Écoutez Dieu ce soir. Je ne dis pas que nous sommes des simples, mes amis, mortels. Mais écoutez la parole que nous lisons plutôt. Pas nous en tant qu'hommes, mais la parole que vous lisez chez vous. Jésus dit, il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux commandements. Frère Moba. Mais pourquoi alors les pasteurs mettent-ils l'accent sur la dîme? Pourquoi mettent-ils l'accent sur le dimanche comme étant le jour du Seigneur? L'offrande, les offrandes. Pourtant, on dit que ces deux commandements sont les plus grands, les plus importants. Voilà. Voyez? Et le premier commandement, c'est quoi? Écoute Israël. Jésus-Christ, en tant qu'un bon enseignant, rappelle à ce scribe le Shema, la prière juive la plus connue. C'est Deutéronome 6:4. Écoute Israël, Shema Israël, Yod, Shema Israël, ça c'est en hébreu, Shema Israël, Yod, et Vav, et Had. C'est les quatre lettres, n'est-ce pas, c'est le tétragramme. D'accord? Le tétragramme. Alors je ne sais pas si on peut prendre rapidement le tableau. Si c'est possible, mon frère, on va nous mettre le tableau là parce que je sens que mais ça vient. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, on va, mes amis, Yeshua est le véritable Dieu. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Le tableau est là. Le tableau est là. Le tableau est là. On va l'amener. Hein? On va l'amener, mes amis, là. Parce que là, hein? Jésus-Christ, il faut qu'on s'arrête sur l'enseignement de Christ ici. Parce que c'est la base, mes amis. C'est la base. Écoute, le problème c'est l'écoute. Il faut écouter avec les oreilles spirituelles. Hein? Dans Ésaïe 50, Ésaïe dit, l'Éternel a ouvert mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le problème c'est, tout le monde peut entendre un son de cloche et ne pas comprendre le message. Vous voyez, on peut être 1000 dans une salle et entendre tous le même son. Mais l'interprétation sera différente en fonction de ceux, des uns et des autres. Vous voyez? Donc l'oreille, nous devons avoir l'oreille ouverte. Vous voyez? C'est très important. Très important, mes amis, très important. Yeshua nous dit que Dieu est un, c'est-à-dire Ehad, indivisible. Vous voyez? On ne peut pas le diviser en trois personnes distinctes. Ça sort de la bouche de Jésus. Ça ne sort pas de la bouche de quelqu'un d'autre. Soit vous croyez en Jésus-Christ, ou soit vous ne croyez pas en lui. Hein? Le problème est là. Voilà, que Dieu nous garde. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est bon. On va nous mettre le tableau là, mes amis. Je vais me lever tout à l'heure. On va partager parce que j'aime les amoureux de la parole. Moi, j'aime la parole, j'aime les Écritures. Je veux voir mon Dieu être. Je veux le voir révélé. Glorifiez, magnifiez, frères et sœurs, au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu est bon. Voilà, merci. On a ce qu'il faut là, mes amis. Là, je sais que vous aimez la parole. Nous parlons de la connaissance de Dieu. Qui est Jésus? Connaître Dieu, c'est capital. Voyez, connaître Dieu, c'est, mes amis, avoir l'autorité contre la chair, l'autorité contre les démons, contre les sorciers, contre l'œuvre de l'ennemi, au nom de Yeshua. Voilà, donc... je crois que je vais pouvoir écrire là, maintenant là, je crois que le tableau est là. Donc je vais pouvoir me mettre debout là, c'est possible là, l'équipe là. On y va, au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, l'évangile est véritable et je sais que vous êtes chez vous, que vous aimez les Écritures. Je vais enlever ma chaise là parce que, voilà, mon frère Moba va m'aider là, gloire à Dieu. Merci Seigneur, Dieu est magnifique, Dieu est glorieux. Alléluia, gloire à Dieu. Mes amis, on pose la question au Seigneur. Quel est
le plus grand commandement. Hein, mon frère Freddy? Ce plus grand commandement-là, donc le premier, est toujours valable. Hein, ces deux commandements sont toujours valables. D'accord? Donc la parole ne peut pas se contredire. Et on nous dit que dans le premier et le plus grand commandement, on nous parle de l'unicité de Dieu. Le fait qu'il soit indivisible. D'accord? Shema Israël. D'accord? Shema Israël. Voilà. Donc, Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est grand. Je pense que vous aimez la parole. Alléluia. Voyez, mes amis, de droite à gauche, voilà l'hébreu. D'accord? Ça, c'est le tétragramme. Nous avons ici un yod. Nous avons ici un het. Nous avons ici un vav. Et nous avons ici un het. Les quatre lettres, n'est-ce pas, c'est le tétragramme, d'accord? Donc, tétra égale 4, gramma égale lettre, d'accord? Les quatre lettres. Et ces quatre lettres-là, n'est-ce pas, constitue le nom de Dieu le plus cité dans les Écritures. D'accord? Le nom de Dieu le plus cité dans les Écritures. D'accord? Alléluia, gloire à Dieu. Donc voyez, Yod ici nous parle, Yod égale la main. La main, Yod signifie aussi le germe. Un autre nom de Jésus-Christ. Alléluia, Dieu est grand. Et puis, Et nous parle de la louange. D'accord? Et la louange. Et puis, Vav nous parle du clou. Voyez? Les clous qui ont été utilisés pour crucifier, n'est-ce pas, les mains du Seigneur, le Seigneur notre Dieu, Yeshua. C'est ça le nom le plus connu. Vous voyez, Yod, Et, Vav, Et, c'est le nom de Dieu le plus connu de toutes les Écritures. Et qu'est-ce que Yeshua dit? Yeshua dit, quand on lui pose la question, par ce scribe. Le scribe, ici, était un homme de lettres, un homme de la parole, quelqu'un qui connaissait la Torah, qui connaissait le nom de Dieu. Vous voyez? Et qu'est-ce que le scribe dit, frères et sœurs? Il pose la question au Seigneur. Je vous parle de la connaissance de Dieu. Amen. Qui est Dieu? Amen. Connaître son Dieu, c'est capital, mes amis, vous qui me suivez. Vous avez connu hier vos pasteurs. Aujourd'hui, nous prions que Dieu se révèle à vous. Amen. Qu'il se révèle à vous, afin que vous le connaissiez. Voyez? Connaître Dieu, c'est capital. Votre vie chrétienne dépend, n'est-ce pas, de la révélation que vous avez de ce Dieu. Plus vous connaissez Dieu, plus vous allez le craindre. Plus vous connaissez Dieu, plus vous allez l'aimer. Plus vous connaissez Dieu, plus vous allez aimer vos voisins. Plus vous allez bénir vos ennemis. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Dieu est magnifique, n'est-ce pas que le Seigneur est magnifique? Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Alléluia, Dieu est trop fort. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu de gloire. Amen. Voyez? Et nous allons lire Ésaïe chapitre 45. 42, verset 8, s'il te plaît, mon frère Mouba. Le micro. Et Ésaïe, chapitre 42, verset 8. On va aller assez rapidement. Si tu as trouvé, frère Freddy, on va y aller, mon frère Freddy. Ésaïe 42, le verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voyez, frères et sœurs,
Dieu dit dans Ésaïe 42, verset 8, Dieu dit que je suis le tétragramme qui a été traduit, le tétragramme, Yod, et Vav, et le tétragramme, le nom de Dieu le plus révélé dans toute la Bible. Ce nom de Dieu, n'est-ce pas, a été traduit par l'Éternel. Vous savez par qui? Par Olivetan. Olivetan, c'est le cousin, n'est-ce pas, du réformateur Jean Calvin. C'était un Français au XVIe siècle. Et c'est lui qui a traduit le nom de le tétragramme en l'Éternel. Voyez? Et donc, ce nom-là, le plus connu, le plus révélé, plus de 5000 fois dans toute la Bible, ce nom n'est rien d'autre que le nom de Jésus-Christ. Parce que Yehoshua, Jésus-Christ, signifie le tétragramme et... Le tétragramme est salut. D'accord? Le tétragramme est salut. Et maintenant, dans le Shema, c'est la prière la plus connue chez les Juifs. Dans Deutéronome 6, 4, on va le lire. Shema. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Connaître Dieu. Qui est Dieu? Deutéronome 6, 4. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Alléluia. Amen. Écoute, Israël, l'Éternel, c'est-à-dire le tétragramme. Et c'est la même parole que Jésus-Christ a répétée dans Marc 12, 28. D'accord? Il a renvoyé ce scribe à Deutéronome 6.4. Shema Israël, le tétragramme, notre Elohim, et un, c'est-à-dire Ead, comme on l'a vu, et Ead nous parle de l'infini indivisible. C'est-à-dire Dieu est tellement infini, il est tellement infini qu'on ne peut pas le diviser. Parce que Ead nous parle de cet infini qui englobe tout. Les cieux, la terre, la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur. Voyez ? Qu'on ne peut pas le diviser, on ne peut pas le couper en plusieurs personnes. Et c'est exactement ce que Jésus-Christ a dit aux scribes. Écoute Israël, le tétragramme, notre Dieu, est un. Et c'est pour cela que Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 8, que pour nous, il y a un seul Dieu. Voyez ? Mais Athanase, Tertullien bien avant lui, sont venus, ils ont dit, non, il y a trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils en ont créé trois. Alors que ce sont des modes de manifestation, ce sont des représentations diverses de ce Dieu. Vous voyez? Et ils en ont créé trois dieux. Et c'est terrible. Frères et sœurs, moi, je préfère croire Jésus plutôt que les pères de l'Église. Je préfère croire Paul plutôt que les pères de l'Église. Voyez ? Pourquoi ont-ils créé trois dieux ? Premièrement, comme on l'a vu, Tertullien, qui est le premier à utiliser le mot Trinité pour parler de trois dieux distincts, était d'origine, n'est-ce pas, tunisienne, de Carthage. Et à Carthage, on adorait trois divinités principales, une trinité démoniaque, Baal, Amon, le dieu cosmique, n'est-ce pas, à qui on offrait des enfants. Il était associé également au dieu Moloch. Et deuxièmement, la divinité Tani. Tani était, mes amis, une déesse
l'épouse de Baal. Et c'était cette divinité Tani, cette déesse, et on la retrouve un peu dans plusieurs nations sous différents noms. Chez les Romains, par exemple, c'est Vénus. Chez les Phéniciens, c'est Astarté. Chez les Babyloniens, c'est Ishtar. Vous voyez ? Aphrodite également chez les Grecs. Vous voyez ? Et une seule déesse, mais qui porte plusieurs noms en fonction des régions où elle est adorée. Et troisièmement, dans cette trinité de Carthage, il y avait le dieu Eshmoun. Eshmoun est associé à Asclepios. Asclepios, c'est le dieu de la médecine, de la guérison chez les Romains et chez les Grecs, pardon, et Esculape chez les Romains, le dieu de la guérison. Voilà la trinité qui était adorée, n'est-ce pas, à Carthage. Carthage était la ville de naissance, la ville où Tertullien est né et grandi. Et a grandi. Et c'est là qu'il a appris, n'est-ce pas, ces choses. Et quand il a adhéré au christianisme, il a, mes amis, inventé, il a utilisé, n'est-ce pas, le mot Trinité pour parler du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il les a dissociés en créant trois personnes distinctes. Voyez ? Et il a mis en place un symbole qu'on appelle le symbole d'Athanase. C'est-à-dire, quiconque ne croit pas en la Sainte Trinité doit être déclaré impie, hérétique, secte. On doit le bannir, le rejeter, voire même le tuer. Et Calvin, le réformateur français, a fait brûler vif. Il a participé, mes amis, à l'arrestation d'un homme de Dieu du nom de Michel Servet, un réformateur suisse. Espagnol, pardon, un réformateur espagnol qui ne croyait pas en la Trinité, qui avait beaucoup combattu cette doctrine démoniaque, et on l'a fait arrêter par Calvin à Genève, et on l'a brûlé. Vous voyez ? De même, aujourd'hui, je prends des risques énormes. Le fait de dire clairement et ouvertement que la Trinité est une doctrine d'origine païenne et que Jésus-Christ est le seul véritable Dieu révélé, 100% homme et 100% Dieu. Voyez, et cette double nature a été tellement mal comprise par les philosophes qui n'avaient pas reçu la révélation de Dieu. Et ils en ont créé trois dieux. Alors que si vous lisez vos Bibles, frères et sœurs, vous verrez que c'est écrit partout, de Genèse à Apocalypse, qu'il y a un seul Dieu. Et ce Dieu se révèle comme étant le chemin, la vérité, la vie, l'agneau, le lion, l'eau, le feu, l'épée. Voyez, le soleil levant, l'étoile brillante du matin, voyez, alléluia, le rocher, voyez, le roc, voyez, frères et sœurs, alléluia, la tête de l'Église et l'époux, voyez, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, voyez, et tout ça, ça paraît beaucoup pour une seule personne, pour un seul être. Eh bien oui, Dieu est capable de tout. Il fait ce qu'il veut, il est Dieu. Alléluia. Voilà, le tétragramme, c'est le nom que Yeshua porte. Un enfant est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, prince de la paix, Dieu puissant. Dieu puissant. Mais, et Père éternel. Et les Écritures nous disent qu'il y a un seul Dieu. Et Dieu dit qu'il est le seul Dieu dans Ésaïe. Lisons cela. Ouais, lisons cela. Ésaïe chapitre 43, verset 11. On va aller assez rapidement pour la lecture. Ésaïe 43, 11. La Bible dit ceci. C'est moi qui suis l'Éternel. C'est moi qui suis le tétragramme. Mm-hmm. Et à part moi, il n'y a point de sauveur. À part moi, mm-hmm. il n'y a pas de sauveur. Et comment est-ce qu'on appelle Jésus ? Le sauveur. Le sauveur. Pierre dit, il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui nous a été donné
par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom. Mais vous voulez qu'on dise quoi encore? Hein? Dieu, ici dans Ésaïe, il disait que, au 8e siècle, hein, qu'à part lui, c'est-à-dire à part le tétragramme, il n'y avait pas d'autre sauveur. Et la parole nous dit qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre sauveur. Tite. Allons voir Tite. Jésus de Nazareth. Frère, laissez-moi parler de Jésus. Je n'ai pas d'autre message. S'il vous plaît. Si vous avez reçu un autre message, prêchez-le. Chacun doit rester sur ce message. Voilà, Paul avait reçu un message pour les païens, sur la grâce. Jacques avait reçu un message pour les juifs. Donc, chacun doit rester sur ce message et le développer. Le message que j'ai reçu, c'est la révélation de Christ, de Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu pour libérer le peuple. Voilà, que Dieu soit béni. Alors, nous sommes, bien sûr, dans... Je disais que nous sommes dans Tite. Dieu est bon. Tite, chapitre... Merci Seigneur. Voilà, Tite chapitre 1er. Ouais, ok, c'est bon. Ah, Dieu est magnifique. Voilà, Tite chapitre 1er. Est-ce qu'on peut nous lire? Et Tite chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 1er. Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. La connaissance de la vérité. Il faut avoir la connaissance de la vérité. D'accord ? C'est ça le message, l'objectif. C'est que vous qui suivez cet enseignement, vous devez avoir la connaissance de la vérité. La vérité est une personne. Amen. D'accord ? La personne de Dieu. Nous sommes dans le verset 4. À Tite. Ouais. À Tite, mon enfant légitime, en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ok. On nous dit que Jésus-Christ est Sauveur. On est d'accord? Or, dans Ésaïe, Dieu disait qu'à part lui, il n'y a pas d'autre Sauveur. Alléluia. D'accord? Il n'y a pas deux Sauveurs. Il y a un seul Sauveur. Amen. Et nous continuons. Nous allons encore... Au verset 13. Alléluia. 2:13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Qui est notre grand Dieu? Hein? Qui est notre grand Dieu? Jésus-Christ. Mais la parole est claire. Oh, il y a un seul Dieu. Et on dit que c'est notre Sauveur et notre grand Dieu. Alléluia. Hein? Hein? Vous voulez quoi encore, là, les amis, là? Dieu est magnifique, mes amis. Hein? Je vois dans la version de Martin, vous voyez, en attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire du grand Dieu. Et notre Sauveur, Jésus-Christ. Hein? Amen. Oh mon Dieu, Amen. Dieu est magnifique. Vraiment là, c'est trop fort ici. Là. Dieu de gloire. Voyez? Et là, nous sommes dans la version d'Osterwald. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Voyez? C'est clair. Il y a un seul Sauveur. Il y a un seul Dieu. Voyez? Et, mais vous cherchez encore quel Dieu? Dieu s'est révélé en la personne de Jésus-Christ. Quel Dieu cherchez-vous encore? Il est lui-même Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ça la réalité biblique. Amen. La doctrine apostolique. Amen. La foi à laquelle chaque chrétien authentique doit s'attacher. Amen. La foi pour laquelle chaque véritable enfant de Dieu est persécuté, rejeté, traité de démon, sorcier, magicien, gourou, secte. C'est biblique. Toutes les personnes qui s'attachent à la sainte doctrine sont rejetées. Donc aujourd'hui, quand on dit que Chora est sorcier, ça ne me fait ni chaud ni froid. Quand on dit que non, c'est un démon, ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce que Jésus-Christ est passé par là. Paul est passé par là. Donc honnêtement, c'est biblique. Au contraire, de tels propos, à mon encontre, sont des couronnes au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu.
Et nous sommes dans Tite, chapitre 3, verset 4. Mon frère Freddy. Tite 3, 4. Le micro, ouais, toujours. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Ok, lorsque quoi? La bonté de Dieu, notre Sauveur. Ah! La bonté de Dieu, notre Sauveur. Qui est notre Sauveur? C'est Jésus. D'après ce passage-là. Qui est notre Sauveur? Dieu. Ok. Voilà. Et quel est le nom de ce Dieu? Jésus-Christ. Mais la parole est claire, frères et sœurs. Vous voulez quoi encore? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh. Bereshit bara. Bereshit bara. Elohim. Hein? Alléluia. Et Ashamayin vet aeret. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans le Bereshit, là, dans le commencement, on en parlera encore là. Mes amis, il y a la révélation du Dieu Tout-Puissant. Amen. Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Père, Fils et Saint-Esprit. Le seul Dieu que nous prêchons. Le seul Sauveur. Voyez? Ah, mes amis, laissez, faut laisser. Hein? On cherche encore, mais oui, mais où est le Dieu? Mais la parole est claire, Dieu notre Sauveur, il est le seul Dieu. Amen. C'est pour cela qu'il dit au scribe, Shema Israël, écoute Israël, le tétragramme, notre Elohim. Déjà, Elohim est un nom générique qu'on pouvait utiliser pour Baal, pour Dagon, pour les divinités païennes. C'est un nom générique. Maintenant, il fallait que le nom de Elohim soit révélé. Or, Elohim est un nom générique. Mais il fallait un autre nom pour le différencier d'autres Elohim. C'est pour cela, mes amis, d'abord, il faut comprendre que le nom Elohim nous parle de la source de la source de puissance. Une source intarissable. Une source, mes amis, qu'on ne peut pas diviser, scinder. Ça, c'est Elohim. Maintenant, il fallait un nom associé à Elohim. Voilà pourquoi on parlait de Baal Elohim, Astarté Elohim, tout ça là. Vous voyez? Mais par contre, il fallait également le nom du Dieu des Hébreux. C'est pour cela qu'il leur a donné le tétragramme. C'est là mon nom, il a dit. Et Yeshua maintenant est venu et on dit que ce nom est le tétragramme et sauveur. Donc le tétragramme qui s'est révélé à Adam. Parce que la première fois que l'on parle, on a parlé de ce nom-là, tétragramme, c'est avec la création d'Adam. Genèse 1, on nous parle de Genèse 1 au Genèse jusqu'à dans tout le chapitre 1er de Genèse, on nous parle seulement d'Elohim, la source de toute puissance, la source de la création. Vous voyez, maintenant, quand il fallait créer l'homme, dans Genèse 2, 7, et là, pour la première fois, on a associé le nom de le tétragramme à Elohim. C'est pour cela qu'on a dit l'éternel Dieu, c'est-à-dire le tétragramme Elohim, en rapport avec la création de l'homme. Voyez, et quand l'homme a chuté, l'homme en chutant, il a perdu la révélation du tétragramme. C'est pour cela que ses descendants ont commencé à adorer d'autres Elohim. Baal, Astarté, Dagon, tout ça. Maintenant, Elohim, le véritable Elohim, se révèle à Moïse sur la montagne de Sinaï. Hein? Il lui dit, va libérer mon peuple. Amen. Sur la montagne de Reb. Moïse dit qu'il connaissait d'autres Elohim, tels que Osiris et Isis, tout ça là, en Égypte. Il lui pose la question, mais quel est ton nom? Oh, alléluia. Tu me dis que tu es Elohim, mais il y a plusieurs Elohim. Alléluia. Quel est ton nom? Et il dit quoi? Celui qui s'appelle le tétragramme. Aya, je suis. Vous voyez? Amen. C'est ça le nom de Elohim, le tétragramme. Et Jésus-Christ maintenant, mes amis, Dieu, le tétragramme, s'est incarné pour qu'il y ait une différence entre César, qui était considéré comme un dieu, entre les démons, Satan, et le véritable Dieu. C'est pour cela qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire, le tétragramme est sauveur. Ce nom l'a fait trembler l'enfer. Moïse est allé libérer les Hébreux avec le nom, le tétragramme. Comme les magiciens de Pharaon ont entendu ce nom-là, ils ont tremblé. Alléluia. 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 Vous savez quoi?
Moïse, il a pris un homme qui le servait, du nom de Osée. Osée signifie salut. Mais il fallait révéler le nom de celui qui donne le salut. Et Moïse, maintenant, qui a compris que seul le nom pouvait faire entrer les Hébreux dans leur héritage, Moïse prend Osée, il le rebaptise, il change son nom en celui de Yehoshua. La première fois où la Bible parle du nom de Jésus-Christ, du nom de Jésus, c'est avec Osée. C'est avec Moïse, quand il a surnommé Osée Yehoshua, qui donne en français Josué, en grec Jésus. Voyez, alors Josué tel un capitaine, il a dit au soleil, arrête-toi sur Gabaon, la lune, arrête-toi là. Ce nom-là commande la nature, la création, reconnaît ce nom. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait parler à la nature, pouvait parler au vent, à la tempête, et ils obéissaient. Jesus Christ. Voyez, et Josué a fait rentrer le peuple dans son héritage, parce que Josué c'est Jésus. L'image de Jésus. Et Jésus-Christ, le véritable Dieu, le tétragramme, s'est incarné. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Et qu'est-ce qu'il a fait? Tel un grand frère, le premier-né de toute la création, il est allé dans la tombe, dans un enfer. Il a libéré les captifs. Il est remonté avec elle. Frère, il nous a introduits dans le royaume céleste. Amen. Et aucun nom ne peut résister devant ce nom-là. Oh. Aucune maladie, non. Aucun sorcier, non. Aucun démon, non. Aucun malade, oh, bakasaka. Aucun homme, président ou pas, roi ou pas, tout genou fléchit devant ce nom-là. Yes. Jesus Christ. C'est pour cela qu'il nous faut la révélation. Hein? C'est pour cela qu'à chaque fois que Dieu appelle un homme pour libérer son peuple, il lui révèle sa personne. Il lui révèle son nom et la personne reçoit une révélation avec une onction qui va avec et va libérer le peuple. Jesus Christ. Oh my God. Jesus Christ. La parole. La parole. Vous savez pourquoi tétra, pourquoi les quatre lettres? Pourquoi les quatre lettres? Vous savez pourquoi les quatre lettres? Les quatre en hébreu nous parlent de l'univers, l'universalité. C'est-à-dire tout ce qui a trait à, n'est-ce pas, tout ce qui est universel. Les quatre points cardinaux, le nord, le sud, l'est, l'ouest, ça veut dire quoi? On ne peut pas diviser Dieu en trois parce qu'il est partout. Hein? Dans le nord, Jésus est. Dans l'est, il y est. Dans l'ouest, il y est. Dans l'est, il y est. Au centre, il y est. C'est pour cela que Paul, dans Éphésiens, nous dit qu'il faut connaître les quatre dimensions de Christ. La hauteur, la profondeur, la longueur et la largeur. Hein? Alléluia. Vous voyez, le tétra, hein? Il englobe tout. On ne peut pas le diviser. À Londres, Jésus est là-bas. En Afghanistan, il est là-bas. Mes amis, il a un peuple partout. Mais vous voulez le diviser comment là? Il est un et indivisible. Père, Fils et Saint-Esprit. C'est un mystère, mes amis. Le Dieu de la Bible, c'est ce Dieu que nous vous présentons. Vous voyez, quatre, c'est tout ce qui a trait à, n'est-ce pas, à tout ce qui est, n'est-ce pas, universel. L'universalité de Yeshua. Gramma, lettre. Ça veut dire que ces lettres-là occupent les quatre points cardinaux. Il n'y a pas un seul endroit de la terre, de l'univers, où le nom de Yeshua ne puisse agir. Il n'y a pas un seul lieu, il n'y a pas un seul endroit, même dans l'abîme là-bas, même en enfer là-bas, il n'y a pas un seul recoin que quelqu'un peut se cacher sans que Dieu le touche, sans que Dieu le... Mon Dieu, même Satan en enfer fléchit ses genoux quand le nom de Yeshua est prononcé. C'est ça les quatre lettres-là. Et vous allez maintenant diviser Dieu en trois dieux, frères et sœurs. Non, arrêtons mes amis. Dieu est plus qu'une personne. Amen. Dieu est au-dessus de tout. Amen. Il s'est fait homme pour te sauver toi, homme. Vous voyez, mais ne va pas maintenant dire que Jésus-Christ a été créé. Quelle abomination, quelle insulte. Hein? Dieu a dit qu'il ne faut pas adorer d'autres personnes que lui, d'autres divinités que lui. Et Jésus-Christ a été adoré. On l'a adoré. Les mages l'ont adoré alors qu'il était encore bébé. Jésus-Christ est homme. Hein? Les femmes l'ont adoré. Les disciples l'ont adoré. Hein? Et quand Jean a voulu adorer un ange, l'ange a dit quoi?
adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Attends, mes amis. Voyez, frère, Shiloh, jusqu'à ce que Shiloh vienne. Hein? Oh! Balaam a dit, je vois un astre. Alléluia. Attends. Vous savez, frère Freddy, tu sais pourquoi les quatre lettres, quand je dis que c'est hein? Quatre égales, tout ce qui est universel, hein? Hein? Écoutez bien, tout ce qui est universel, vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est? L'universalité de la puissance de Yeshua. Voilà pourquoi la Bible le présente de différentes manières. Le lion, il y a des coins où les lions ne peuvent pas habiter, vivre. Par contre, si vous allez ailleurs, vous allez trouver la personne de Christ comme lion. Vous allez dans un autre coin, vous allez trouver la personne de Christ comme l'agneau. Vous voyez donc, il occupe les quatre points cardinaux. C'est pour cela que David, dans Psaume 139, disait, « Où irai-je ? Loin de ta face. » Si je monte au ciel, tu es là-bas. Alléluia. Si je descends dans l'abîme, à l'enfer, tu vas m'attraper. Il est partout. C'est pour cela quand Jean arrive au ciel, il a vu un agneau. Alléluia. Avec sept cornes. C'est le Tout-Puissant. Les cornes dans le royaume, dans la Bible, représentent la puissance, l'autorité, selon Daniel 8, 20. Les sept cornes, c'est le El Shaddai de Genèse 17. Il a dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois intègre devant ma face. Les sept cornes. Pourquoi les sept yeux? C'est l'omniscience. Il sait tout. Il voit tout. Les sept esprits de Dieu envoyés partout la terre. L'omniprésence. C'est ça, mes amis, les quatre lettres. Voyez? Tétra. Tétra. C'est-à-dire, yod. Ça, c'est le germe. La main. La main de l'Éternel est une main de puissance. La main. C'est pour cela qu'on dit qu'il est assis à la droite du Père. C'est la main. C'est le gouvernement. C'est l'autorité. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu. Oh vav. C'est le clou. Hein? Le clou. Les mains. Il va montrer ses mains dans Zacharie 12 aux Juifs et ils vont le reconnaître. Tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Apocalypse 1, 7. Jésus-Christ, frères et sœurs, vous qui nous suivez ce soir. Jésus-Christ est votre pasteur, amen. Votre apôtre, amen. Votre chemin, amen. Votre vie, amen. Votre vérité, amen. Votre chéri, amen. Votre époux, amen. Votre tête. Amen. Il est tout pour vous. Amen. Cherchez-le, amen. Priez-le, adorez-le, invoquez-le et il se manifestera. Alléluia. Vous êtes déçus par les pasteurs? Je vous présente le pasteur des pasteurs, amen. Qui ne déçoit jamais. Amen. Vous voulez de l'amour? Voilà l'amour révélé. Amen. L'amour de Dieu, amen. S'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà le message, frères et sœurs. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Annoncer Christ. Un évangile qui n'est pas basé sur la personne de Christ doit être rejeté. Jésus-Christ est la vraie vie et il manifeste la nature du Père. Il est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Oh, mes amis, que Dieu vous garde. Hein? Avec toutes ces... Tout ce message-là, je ne sais pas qu'est-ce que vous encore appeler pour poser des questions. Parce que, honnêtement, la Bible est claire. Deux seuls commandements sont importants. Shema Israël. Dieu est un. Quand on dit un, c'est indivisible. Ne le divisez pas. Ce sont des modes de manifestation. Mais n'allez pas le diviser. Quand Christ est ressuscité, on nous dit que plus de 500 frères l'ont vu à la fois. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez le diviser en 500 personnes différentes. Il est Dieu. Comment quelqu'un peut-il se manifester partout au même moment s'il n'est pas Dieu? Gabriel ne peut pas le faire. L'ange Michael ne peut pas le faire. Mais Jésus-Christ, comme il est Dieu, tout puissant, alors il le fait. Voilà. Maintenant, frères et sœurs, mes amis, s'il vous plaît, on l'a chassé de nos cœurs. On l'a chassé de nos églises. Voilà pourquoi le temps est arrivé où de nouveau Christ doit être révélé à son peuple. Et nous sommes à minuit, la trompette retentit. Voici l'époux. Et c'est ce message qui va nous réveiller. Deux commandements seulement nous sont donnés. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Ça, c'est la première, le premier commandement. C'est une relation verticale. Dieu vers nous, nous vers Dieu. Vous voyez cette intimité, cette relation bilatérale. J'adore Dieu, je prie Dieu et Dieu me parle, Dieu me guérit. Vous voyez cette relation qui doit être rétablie entre l'homme et Dieu. La réconciliation que nous avons, mes amis, procédée, qui a été opérée grâce à l'œuvre de la croix. Ensuite, il y a une relation horizontale envers les hommes. Tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, en hébreu, on dit ceci, tu aimeras pour ton prochain comme pour toi-même. Voyez ? Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. C'est ça le sens de ce commandement. Mais pour aimer son prochain comme soi-même, il faut d'abord recevoir l'amour de Dieu. Il faut d'abord être en relation avec Dieu. Sinon, on ne peut pas aimer l'autre. Parce que c'est difficile d'aimer l'autre. La chair n'aime pas. La chair n'aime pas. Voyez ? Alors, c'est l'amour de Dieu qui nous permet d'aimer même nos ennemis, même ceux qui nous font du mal, et de prier pour eux. Voyez ? Et c'est ça les deux plus grands commandements. Et au lieu de, quand on aime Dieu de tout son cœur, on ne va pas voler, on ne va pas tuer, on ne va pas, n'est-ce pas, manquer du respect aux autorités, établies, présidents, ministres, policiers, gendarmes, maires, préfets. Voyez ? Quand on aime Dieu de tout son cœur, on ne va pas voler, on ne va pas violer les gens, on va respecter les gens, n'est-ce pas ? Et quand on aime le Seigneur, quand on a reçu cet amour-là, forcément, on va aider les frères et sœurs financièrement, on va soutenir financièrement l'œuvre du Seigneur sans qu'on nous mette la pression comme c'est le cas dans beaucoup d'assemblées. Vous voyez, c'est deux plus grands commandements. Et au lieu qu'on nous enseigne là-dessus, connaître Dieu, aimer Dieu plus que toute chose et aimer son prochain comme soi-même, on nous enseigne plutôt, n'est-ce pas, l'argent, à aimer plus le bâtiment, plus le ministère, plus l'onction, plus les dons spirituels que Dieu, que son prochain. Frère, que Dieu nous garde, que Dieu nous aide au nom de Yeshua.